Les filles, je suis en train de me préparer. Vous m'avez tout dit de mettre la tenue blanche. Obligée de se mettre en basket parce que vous m'avez dit qu'au 5 terres, il va falloir beaucoup marcher. Regardez comment j'ai bronzé. Regardez mon t-shirt, comment il paraît tout blanc. Donc là, je vais bien chauffer mon teint. Oh là là, je suis toute blanche, les filles. Il va falloir que je mélange mon anti-cerne avec mon fond de teint. Oh là là, ça va pas du tout là. Il faut rattraper tout ça. Les filles, ça fait un moment que j'utilise ma nouvelle brosse à dents de chez WeSmile. Bon, moi je les prends en rose parce que j'aime trop le rose, mais elle existe en plein de couleurs. Et elle est incroyable, elle a plein de modes. Vous savez les filles, moi avant j'étais assistante dentaire et je vous le dis à chaque fois, l'hygiène bucco-dentaire pour se sentir bien, c'est très très important. Et cette brosse à dents, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 modes et un minuteur. Elle est incroyable les filles, c'est vraiment une brosse à dents de qualité, elle enlève tous les résidus que vous avez sur les dents et elle est super super puissante, je vais vous montrer. Alors les filles, je vous montre la brosse à dents de près, vous voyez elle a 6 modes et il y a l'embout ici que vous pouvez changer, que vous retrouvez sur le site internet WeSmile. Et regardez, écoutez la puissance de la brosse à dents. Donc là vous avez le mode doucement, le mode fort, le mode regardez, intense, le mode nuit. Vous voyez, il y a vraiment plein de modes. Mais surtout, les filles, regardez comment elle vibre super fort. Elle est super puissante, elle est trop bien, elle existe en plein de couleurs. Et là, les filles, vous avez le sérum blanchissant. Donc, c'est le produit vedette de chez WeSmile. Il est incroyable. Il va venir blanchir les dents instantanément. Donc, ça fonctionne sur les facettes, mais encore plus sur les dents naturelles. En fait, ce produit, c'est un produit qui est violet ultra concentré. Regardez. Il est tellement violet, les filles, qu'il en est noir. Regardez, je vous montre. Vous voyez ? Ça sort noir tellement qu'il est concentré. Et en fait, ça va faire comme les shampoings violets. Les shampoings violets, ça va venir déjaunir, donc du coup, blanchir les mèches. Et bien là, c'est la même chose. Comme c'est violet ultra concentré, ça va venir déjaunir, du coup, blanchir instantanément. C'est pas un blanchiment, il n'y a pas de peroxyde, mais ça fonctionne instantanément. Ça, c'est vraiment un produit à avoir. Je vais vous montrer, les filles. Les dents jaunes, j'en peux plus. Heureusement que j'ai mon sérum violet. Regardez, je vais vous montrer que d'un côté, pas de l'autre. Vous allez voir la différence. Tiens, regardez la différence là et là. Mais ce sérum est magique. Il m'a retiré. It takes something. I think you finesse. He can't know finesse. Les filles WeSmile, c'est une marque 100% française. Les produits sont notés en vert sur Yuka. C'est aussi vendu en pharmacie. Et là, j'ai une offre exceptionnelle pour vous. Et la vérité, les filles, le sérum blanchissant et la brosse à dents, il vous la faut. J'ai 20% de réduction et une brosse à dents en bambou offerte. Et sinon, c'est aussi disponible en pharmacie. Les filles, je vous montre, ça va pas du tout. Regardez, j'ai jamais été aussi grosse de toute ma vie. J'ai dû prendre au moins 5 kilos depuis que je suis en Italie. Regardez. Mon short, il me va tout serrer. Ça va pas du tout, les filles. Hein. Bon, les filles, c'est parti. On va visiter les 5 terres et on veut aller en bateau. Il y a... Ah. La propriétaire, elle est trop gentille, les filles. En fait, c'est un hôtel particulier. Je mets des baskets. Franchement, elles sont trop confortables. Mais les filles, j'ai trop grossi. J'ai dû prendre au moins 5 kilos. Je fais que manger des pâtes, c'est trop bon en Italie. Regardez, je suis une petite boulette. Mais vraiment, mon short il me va tout serré. Bon, je vous explique les filles, là on vient d'arriver au port. On a pris la voiture, c'est à 8 minutes de l'hôtel. Et là on va prendre un bateau pour visiter les 5 terres. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire la touriste. Genre je me sens pas d'aller à la plage. Je veux visiter. Bon, le bateau, c'est à 16h, les filles. Là, il est 14h30. Du coup, on va s'arrêter manger. Il y a des petits restaurants sur le port, c'est trop mignon. Bon, là, pour le moment, je préfère Portofino, les filles. En vérité. Attendez, je vais vous montrer. Ça va, c'est joli, c'est mignon.
Alors regardez, il y a plein de petits restos tout mignons. Et là, il y a plein de yachts. C'est mignon, hein? Bon, les filles, on se balade. Oh, je vous dis la vérité, là, j'ai bouche la tête, elle est comme ça. J'ai trop mangé, je marche, je me sens lourde. On dirait une patate qui marche. Je sais pas. Je suis trop grossie. Je me tire. Les filles, j'en peux plus. J'ai trop chaud. Bref, moi je pensais qu'on allait prendre un ferry pour aller au 5 Terre. Mais je sais pas, il a loué un bateau à 16h. On doit l'attendre, j'ai trop chaud. On peut se poser là pour l'attendre. Je vous dis pas la chaleur. Les filles, c'est possible d'avoir la ménopause à mon âge. Parce que je vous explique, j'ai marché 100 mètres. J'étais tout essoufflée. Je me sens très très mal là. C'est peut-être parce que j'ai grossi. Hein. Mon corps, il est super lourd à porter. Ouh, on s'est arrêté là, boire un verre le temps que le bateau il arrive. Alors tout le monde me demande c'est quoi les 5 terres. En fait les 5 terres c'est 5 villages ultra colorés, c'est des villages de pêcheurs en Italie qui sont rapprochés et ils sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Et en fait soit on le fait en ferry ça coûte vraiment pas cher, genre une dizaine d'euros, soit en bateau privé, là c'est ce qu'on va faire, c'est abordable, c'est 120 euros par personne. En ferry c'est combien? À 34 euros, il y a 7 heures de balade. Ouais, une trentaine d'euros, pardon. Et donc là, on va le faire en bateau privé à 16h. Une demi-heure, on s'arrête de prendre un café. J'ai trop chaud, il fait extrêmement chaud. J'avais trop hâte de visiter les 5 terres. Par contre, c'est lui qui gère les activités, puisque moi, ça, tout ce qui est organisation, j'aime pas. Il a pris une activité aujourd'hui, donc les 5 terres en bateau privé. Et là même, demain matin à 10h du matin. À quoi ça sert? On va faire deux fois la même chose. Demain on s'arrête dans un village, on se balade. Dites-moi c'est lequel le meilleur des villages des 5 terres si vous connaissez ça. Et sinon sur le bois, en fait, on va se faire aussi. Et ça va. En fait c'est très psychique. Et Portofino c'est genre Saint-Tropez. Bon les filles, ça y est, on a pris le bateau. Il s'est trompé, c'était marqué bateau privé mais c'est pas du tout privé, il y a plein de personnes. C'était marqué quoi dessus? C'était marqué quoi? Mais c'était marqué quoi? Visite privée. C'est très privé. Non, c'est pas grave, mais... bateau il tangue, il y a combien d'heures de bateau s'il vous plaît? Il y a 6 heures de bateau. Mais nous ont juste ça. Je lui ai dit, s'il y a un hélicoptère, on le fera. Hein. 6 heures de bateau. Et en plus j'ai presque plus de batterie. Il y en a trouvé des Français, ils sont trop sympas. J'ai presque plus de batterie, il est 16h30 et on arrive sur la première terre à 19h. Donc on a 3 heures de bateau. Putain, merci à la réservation, merci le bateau privé aussi. Au secours, j'ai le produit de la fesse qui sort les filles. Au secours. Les filles, j'ai pas mal, mais j'ai la fesse qui coule et on a croisé un couple. On a 6 heures de bateau. Et si je meurs, je fais comment pour ma fesse? Oui, c'est trop beau. Mais je fais comment pour ma fesse qui coule?
Mais si je meurs, si je meurs. Non, je sais pas. Bref, on est arrivé, c'est magnifique. Alors là, regardez les filles, c'est le premier village des 5 terres. C'est magnifique. Incroyable. Alors là, on se baigne. Regardez, il y a tout le monde. Et là, il y a notre ami, notre nouvel ami Axel de l'île Maurice. Il est de Montpellier. Et là, il y a sa chérie. Elle est où? Regardez comme elle est trop belle. Oh, les filles, regardez la méduse. Oh. Regardez les amis. Là, c'est un couple d'infirmiers. Et c'est des amis avec eux. Et vous m'appelez. Ça va, c'est pas grave. Pour le fait que mon produit est cool. C'est pas ouf. Il faudrait voir un médecin, mais aujourd'hui ça. Quand je rentre, je les appelle et je recharge le pansement. Exactement. Mais faut... Regardez comment ils sont trop mignons. Alors, regardez les cheveux qu'elle a. Enfin, là, ils sont pas ouf, hein, les cheveux. Bon, ben les filles, c'est la merde. Regardez, j'ai tout le produit qui coule. Je dois trouver en urgence une pharmacie. On s'arrête dans un village. Regardez, ça, c'est tout le produit qui a la fesse. Les filles, là, on s'est arrêté sur la deuxième terre. Attends, bébé, on te voit. Sur la deuxième terre. On supprime. Non, on te voit pas. On a failli te voir. On cherche une pharmacie de toute urgence. J'ai le produit de ma fesse qui coule. Mais... Putain, j'ai pas fait la bonne position. Oh non, t'as pas fait la bonne position. C'est pas bah grave. Non, je suis tout droit. Tour. Je suis tout droit. Viens, je te la fais. Ah non, c'est bah que non, ça. Non. J'ai un photographe. Ouais. Les filles, la pharmacie était fermée et c'est bon, elle nous a ouvert trop gentiment. J'achète tout ce qu'il faut, antiseptique, pansement, compresse. Les filles, depuis qu'on est en Italie, on n'a pas mangé de pizza, on a mangé que des pâtes. Et là, c'est le moment de tester.